Père, au nom de Jésus, je te remercie ce soir. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit, je suis Dieu, je suis l'Éternel, je ne change pas. Nous prions que cette part, cette puissance inchangeable, cette puissance immuable, qui est de génération en génération, agisse puissamment ici ce soir au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait le vrai salut, qu'il y ait la vraie transformation, qu'il y ait la vraie conversion, qu'il y ait de vrais miracles. Donne à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom aujourd'hui dans toute ta vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Assoyez-vous dans la bénédiction du Seigneur. Je vous lis de Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Je lis versets 12 et 13. Ici, le Dieu Tout-Puissant parle à son peuple. Et Dieu est ici ce soir. Je crois que le Seigneur est ici ce soir. Et il va vous dire la même chose. Voici le Dieu Tout-Puissant. Il est arrivé à son peuple, les créatures de sa main, asservies par l'Égypte, asservies par le diable, asservies par le prince de ce monde. Il a fixé le temps pour eux, pour leur délivrance. Et votre heure a sonné. Votre heure de délivrance est arrivée. Dans n'importe quel trou où ils vous ont mis, Dieu va vous faire sortir de ce trou. Partout où on a cadenassé votre esprit, votre cerveau, votre bouche, vos affaires, le cadenas sera brisé ce soir. Tout ce qui est sec sera rafraîchi. L'histoire que tout est fini pour lui, il n'y a plus d'espoir pour lui. Ce soir, il y a l'espoir pour vous. Et Pharaon a gardé ces gens en captivité. Et le Seigneur a envoyé Moïse, lui disant, laisse mon peuple partir. Ce soir, quelqu'un là-bas, vous allez sortir du cachot. Vous allez sortir de votre captivité. Vous allez sortir de cet emprisonnement. Laisse mon peuple aller. Pharaon a dit non. Dieu a dit oui. Le ciel a dit oui. Les anges ont dit oui. Le Saint-Esprit a dit oui. Le Fils de Dieu a dit oui. Et quand Dieu dit oui dans votre vie, dans votre famille, dans vos affaires, quand Dieu dit oui, pour à vous qui êtes là, aucun diable ne peut dire non. Aucun pharaon ne peut dire non. Si quelqu'un essaie de dire non, vous allez le voir au fond de la mer. Donc Dieu a dit à Moïse, la nuit là est arrivée. Quelqu'un là-bas ce soir, votre nuit est arrivée, la nuit de salut, la nuit de délivrance, la nuit de miracle, la nuit des signes surnaturels, la nuit d'un affranchissement illimité et total. Que quelqu'un crie là-bas puissance. Regardons Exode 12. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte.
et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pas j'étais, pas je serai. Je suis à jamais présent. Et le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, je suis ici ce jour pour ôter vos problèmes. Il est prêt à détruire les œuvres du diable dans votre vie. Il est prêt à vous affranchir. Dit, je suis l'Éternel. En verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. La mort passera par-dessus vous. La maladie passera par-dessus vous. La calamité passera par-dessus vous. La condamnation passera par-dessus vous. La damnation passera par-dessus vous. Et je verrai le sang de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si le sang d'un animal à l'époque là pouvait sauver, pouvait secourir, pouvait délivrer des milliers de personnes de l'Égypte, l'agneau de Dieu Jésus est plus grand. Le sang de Jésus est plus grand. Le sang qui n'a jamais perdu sa puissance, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de notre Messie. Et Dieu a dit, je verrai le sang, c'est le sang de Jésus qui essuiera tous vos péchés, le sang de Jésus qui peut vous donner la vie éternelle. Ça, c'est le sang de Jésus qui ôtera la condamnation, la damnation de vous. Ça, c'est le sang qui fermera la porte de l'enfer afin que vous n'alliez pas en enfer. Il n'y a plus d'autre sang. Il n'y a plus d'autre voie. Ça, c'est le sang qui ouvrira les écluses des cieux et déversera les bénédictions sur vous. Ça, c'est le sang qui ouvrira la porte du ciel. Et si vous désirez aller au ciel, si vous espérez aller au ciel, si vous espérez de rentrer au paradis et vous voulez vivre et demeurer dans la maison de l'Éternel à jamais, il n'y a plus d'autre voie. C'est le sang, c'est le chemin du sang de Jésus. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. En Matthieu 26, nous voyons ici ce sang-là, le sang de l'agneau. En Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ce sang-là va laver tous vos péchés. C'est le sang du ciel. C'est ce sang-là qui va essuyer le souvenir de vos péchés. C'est le même sang qui vous donnera la guérison totale. Quelle que soit la maladie, une goutte de ce sang, le sang venant du calvaire, le sang de Jésus-Christ, le sang de loin de celui qui est oint par Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, va éliminer le cancer, va laver la cécité. Il n'y a plus d'autre collyre de sang qui peut vous pouvoir la vision parfaite si vous êtes aveugle. Mais le sang de l'agneau va tout laver de votre vie. Je vais vous parler ce soir de la puissance illimitée de son sang. La puissance illimitée de son sang.
Ce soir, le sang de Jésus est toujours actif et efficace. Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui me rendra bien portant? Rien d'autre que le sang de Jésus. Seras-tu libre? Affranchi de tes péchés? Seras-tu libéré? Totalement affranchi du fardeau que tu portes? Il est la puissance merveilleuse dans le sang de l'agneau. Aimerais-tu avoir la victoire? Il est la puissance merveilleuse dans le sang de l'agneau. S'il y a quelque chose qui peut vous affranchir ce soir, s'il y a quelque chose qui vous donnera la liberté et le pardon ce soir, s'il y a quelque chose qui vous donnera le salut ce soir, s'il y a quelque chose qui vous donnera la victoire sur le péché ce soir, la victoire sur la maladie, la victoire sur Satan, c'est le sang de Jésus. La puissance ultime, la puissance inchangeable, la puissance illimitée de son sang. Et nous dit en Hébreux 9, 22, il n'y a pas d'autre voie. Pour avoir le salut, il n'y a pas d'autre voie. Pour avoir la liberté, il n'y a pas d'autre voie. Pour avoir la libération, Hébreux 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de rédemption sans son sang. Il n'y a pas de guérison sans son sang. Il n'y a pas de victoire sur Satan sans son sang. La puissance dans son sang. L'autorité de ce sang. L'efficacité de ce sang. L'impossibilité rendue possible à travers ce sang. Nous allons voir trois points de prier ce soir. Je dis ce soir, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis ce soir, la victoire totale. Je dis ce soir, il y a la victoire finale. Ce soir, ceux qui me poursuivaient par-ci par-là va s'arrêter et vous fuir ce soir. 1, 2, 3, c'est fini. Numéro 1, la rédemption totale pour le pécheur. Il n'y a rien qui soit efficace que le sang de Jésus. Il n'y a rien qui lave que le sang de Jésus. Il n'y a rien qui ne convertit que le sang de Jésus. Il n'y a rien qui ne vous libère que le sang de Jésus. Le sang de Christ. Le sang à la croix, le sang au calvaire, c'est la rédemption totale pour le pécheur. Numéro 2, la guérison parfaite pour les malades. Ce qui est parfaitement, parfaitement, parfaitement. Après la guérison que vous avez ce soir, parce que je sais que vous allez guérir, vous serez guéri. Où êtes-vous là-bas? Vous serez guéri ce soir. Ne soyez plus dérangé pour cette maladie-là. Dès que j'asperge le sang de Jésus ce soir, vous serez guéri. La guérison parfaite, la guérison totale, la guérison finale, la guérison permanente. Le miracle que vous aurez ce soir sera permanent. Vous n'avez pas entendu cela. Je dis le miracle que vous aurez ce soir, la guérison que vous allez obtenir ce soir, la délivrance que vous aurez ce soir sera permanente. Lorsque je reviendrai à la prochaine, ce miracle sera toujours dans votre vie. Partout où vous allez, vous aurez des miracles. Partout où vous allez, où êtes-vous? Je dis, partout où vous allez,
Le miracle va dire, je suis à côté de toi ici, je suis toujours ici. Vous l'avez obtenu à ce jour-là. Le miracle ne va jamais vous délaisser. La guérison parfaite pour les malades. Maintenant, troisième point. Le rejet absolu de Satan. Aujourd'hui, toute cette puissance de Satan Dieu va tout enlever, extraire, éradiquer de votre vie. Et Dieu va ériger un mur de feu afin que lorsque Satan aimerait revenir, Monsieur Satan, pas de moyen pour toi. Je dis jamais pas de moyen pour toi, Monsieur Satan. Parce que vous êtes affranchi et réellement libre au nom de Jésus-Christ. Numéro 1. Dites-moi le premier point. Prêchez-le-moi. Premier point. C'est la rédemption totale pour le pécheur ou les pécheurs. Avez-vous entendu ce que Dieu a dit? La rédemption. Il a dit aux enfants d'Israël, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Et ce soir, je vous ferai sortir du pays de captivité. Et que vous allez rester à l'intérieur de votre maison. Vous allez égorger un agneau. Et vous prendrez le sang. Et vous l'aspergerez sur le linteau de votre maison. Vous l'appliquerez au poteau de votre maison. Et vous allez faire ôter du levain de votre maison. Le levain. Le levain, c'est-à-dire la levure. C'est le signe de péché. Vous allez balayer la levure, le levain de votre maison. Vous allez ôter tout péché et vous restez à l'intérieur. Sous la couverture du sang de Jésus, le sang du salut, le sang de sa croix, le sang de sa puissance et le sang de son expiation. Vous allez rester sous ce sang. Et comme l'ange exterminateur passera, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand l'ange exterminateur passe, il voit le sang appliqué là-bas. L'ange saura que déjà un agneau est mort à votre place. Il est devenu votre substitut. Jésus est devenu votre substitut ce soir. Jésus est devenu votre sacrifice ce soir. Si Jésus est devenu votre sauveur ce soir, et vous dites, je t'accepte, j'accepte le sang de Jésus, j'accepte le sang de sa rédemption, j'accepte le sang qu'il a versé pour moi, et puis le jugement passera par-dessus vous. Il n'y aura plus de jugement pour vous, la condamnation ne viendra plus de vous. La damnation ne sera plus là. Votre nom sera ôté du registre de ceux qui iront en enfer. Vous serez transféré et transporté au livre de vie. Tout juste à cause du sang de Jésus. Je verrai le sang. Il n'a pas dit, je verrai le baptême d'eau. Cela n'est pas assez forte pour ôter le message de mort. Il n'a pas dit que quand je vois l'adhésion à l'église, cela n'est pas assez puissant. Lorsque je donne de l'argent aux mendiants, cela n'est pas assez bon. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Je verrai le sang. N'importe qui peut dire, je suis enfant d'Abraham. Cela n'agit pas. Ah, l'exterminateur va te tuer, tu iras en enfer. Je suis fils d'un fondateur de l'église. Cela n'a pas d'effet. Voici ma carte d'adhésion de cette église. Cela n'a pas d'effet. Ah, mon papa a pris pour moi. Cela n'aura pas d'effet. Il y a un prophète à qui je donne de l'argent. Et il a pris pour moi. Il jeûne pour moi chaque jour. Cela n'aura aucun effet. Je verrai le sang.
et je passerai par-dessus vous, frères et sœurs. C'est le sang de Jésus ce soir qui peut sauver votre âme, qui peut ôter vos péchés. C'est le sang de Jésus ce soir qui peut éradiquer toute la condamnation de votre vie. Qui que vous soyez, quoi que vous connaissiez, quoi que ce que vous ayez fait, quoi que ce que vous n'ayez pas fait, si le sang de Jésus n'est pas là, vous êtes perdu et perdu à jamais. Quelle que soit l'église que vous fréquentez, que ce soit une grande église, une église profonde, une église large, une église reconnue, une église puissante, une église profonde, si le sang de Jésus n'est pas là, vous êtes perdu, perdu, perdu à jamais. Quel que soit votre titre, je suis évêque, je suis archevêque, je suis pasteur, je suis un grand pasteur. Si le sang de Jésus ne vous a pas sauvé, vous êtes perdu, perdu à jamais, vous irez en enfer. Je verrai le sang. Pas quand je vois votre titre, pas quand je vois vos activités, pas quand je vois votre argent, pas quand je vois votre qualification, pas quand je vois vos titres. Il dit non, je cherche le sang. Moïse a des enfants. Si l'un des enfants de Moïse a dit, je suis fils de Moïse. Oui, le leader des enfants d'Israël. Parce que je suis l'un des fils de Moïse. Je suis fils d'Aaron. Je suis fils de Caleb. Je suis l'un des enfants de Josué. Cela n'agit pas maintenant. Nous parlons de la rédemption. Nous parlons du salut. Nous parlons de la liberté. Nous parlons d'échapper à l'enfer. Nous parlons d'aller au ciel. Ce n'est pas affaire de fils de Moïse, fils de Aaron. Mais quand je verrai, quand je vois le sang, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Je suis la femme de l'évêque. Ah, ma soeur, cela n'agit pas. S'il y a quelque chose qui peut vous sauver, c'est le sang de Jésus. Il a versé son sang pour vous. Il est mort pour vous. Regardez-le à la croix. Regardez-le, le Père l'a abandonné. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a porté vos péchés. Il a versé son sang pour vous. Et au dernier point, il a dit, c'est accompli. Et il a mis fin à toutes les condamnations. Il a dit, maintenant tu peux croire. Tu peux croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est pourquoi Jésus a dit que ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est versé pour plusieurs. Pour le pardon de beaucoup de personnes. Pour l'affaiblissement de plusieurs. Ce soir, le sang est venu. L'affection est venue. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelqu'un là-bas ce soir, vous n'allez pas rater votre occasion. Quelqu'un là ce soir, vous n'allez pas rater votre salut. Quelqu'un là-bas ce soir, vous n'allez pas vous excuser. Je suis un tel monsieur, une telle madame. Je vous l'ai dit que cela n'a pas d'effet ici. C'est le sang. Je dis c'est le sang. Si nous marchons dans la lumière, et comme il est dans la lumière, nous sommes en communion l'un avec l'autre, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, de toute iniquité. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de toutes nos iniquités. Et comme vous faites confiance à lui ce soir, comme vous croyez à lui ce soir, je dis, Seigneur, oui, je mets ma confiance en ce sang. Je mets ma confiance dans ce sang. Je mets mon poids sur ce sang. Oui. Oui, je crois au sang qui est versé pour moi, pour me pardonner, pour me purifier, pour me saluer. Vous aurez le salut. Le salut vous arrivera, vous parviendra.
Jésus, le salut vous parviendra. Numéro 2, la guérison parfaite. La guérison parfaite. Regardez un peu ici. Il y avait environ 3 millions d'Israélites sortant d'Égypte. Jeunes et vieux, femmes et hommes. Ils étaient esclaves. Et ils travaillaient jusqu'à la moelle des os. Ils n'avaient pas de repos. Ils travaillaient sans répit. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de jour de sabbat en Égypte sous Pharaon. Les chefs de corvée les fouettaient, les battaient et les tourmentaient. Pas aller d'asservir les gens. Pas aller d'appauvrir les gens. Pas aller des gens pauvres. Parler d'un environnement malsain, parler des gens malades, tout est là-bas. Ils étaient dans l'esclavage, ils étaient dans la maladie, ils étaient dans la faiblesse. Mais je verrai le sang, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Est-ce que vous savez que la nuit-là, comme ils ont appliqué le sang de Jésus, le sang de l'agneau, et ils sont restés sous la protection, sous la couverture du sang de l'agneau. Regardez ce que la Bible a dit d'eux. En Psaume 105. En Psaume 105, 36. En Psaume 105, 37. Il les fait sortir, il les fait entrer. Il fit sortir son peuple avec quelqu'un là-bas. Ce soir, vous sortez ce soir. Psaume 105, 37. C'est pas qu'ils se forcent à sortir, mais Dieu les fit sortir. Celui qui a la puissance finale, la puissance illimitée, le Dieu des cieux et de la terre, le Dieu qui a créé l'univers habité, le Dieu qui peut vaincre Satan et les démons, le Dieu qui peut vaincre Satan d'un seul mot. Lui, le Dieu Tout-Puissant, il les fit sortir. Le Tout-Puissant est ici ce soir. Jéhovah est son nom. Le Très-Haut est son nom. Je suis celui qui est son nom. Le Dieu Tout-Puissant, il les a fait sortir. Êtes-vous là? Je le cherche. Êtes-vous là? Je la cherche. La puissance qui surpasse toute puissance. La puissance qui excède toute autre puissance. Il vous fera sortir ce soir. Quelqu'un là-bas en captivité. Vous sortirez ce soir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un là-bas qui est alité. Vous allez sortir de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un là, on a mis la folie dans ton cerveau. Tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Il a éliminé la pauvreté de votre vie. La pauvreté est éliminée de votre vie. Il vous fera sortir de la pauvreté, de la servitude. Il vous fera sortir de la stérilité. Des enfants de miracles sont ici ce soir pour vous. La stérilité sera oubliée ce soir. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Je dis, est-ce que vous m'entendez là-bas? Et les filles sorties de la pauvreté, et les filles sorties de la maladie, de l'esclavage, il les fait sortir de la stérilité, il les fait sortir de l'oppression, il les fait sortir de la main de l'ennemi. Vous avez vaincu ce soir. Quelqu'un là-bas. Vous avez vaincu ce soir. Prenez ceci. Et nul ne chancela parmi ces tribus. Et il n'y avait pas de malades parmi eux, hommes et femmes. Les personnes âgées et les jeunes, les hauts cadres et les moyens, personne
n'était malade parmi eux. Personne, il y a la rédemption du péché et la guérison de leur maladie. Quelqu'un sera guéri ce soir parce que la parole de Dieu l'a bien dit. En Ésaïe 53, Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cela parle du sang de l'agneau. Et ce que le sang de l'agneau a fait pour vous. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Il parle de Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés. Qu'est-ce que la meilleure? La couronne d'épines a blessé sa tête et le sang en est sorti. Les clous ont blessé la main et le sang en est sorti. Les clous ont blessé ses pieds et le sang en était sorti. La lance a blessé sa côte et le sang en est sorti. C'est le sang pour votre salut. C'est le sang pour votre guérison. C'est le sang pour votre délivrance. Et il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. 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 Qu'est-ce que cela veut dire? Ils l'ont lié à un poteau. Et ils ont des fouets à la main. Et ces fouets ont plusieurs branches. Et il y a des pièces métalliques attachées à ces fouets. Et cela est entrelacé dans ces fouets. Et on applique ce fouet à son dos. Et ces choses ont lassé son dos et le sang en était sorti. Et ces meurtrissures, le sang qui en était sorti, c'est pour votre guérison. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est le sang qui nous guérit. Oui, nous prions. C'est le sang. Oui, nous l'invoquons. C'est le sang. Oui, nous prêchons. Mais c'est le sang. C'est par ces meurtrissures. Les meurtrissures sont déjà faites. Sont déjà faites. Ce qui vous donne la guérison et le rétablissement est déjà là. Ce soir, vous êtes affranchi. Je dis ce soir, vous êtes affranchi. Il est affranchi. Elle est affranchie. Il est libre là-bas. Elle est libre là-bas. Tout le monde là-bas est libre. Tout le monde, elle est libérée. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Il faut le dire pour vous-même. Je suis guéri. Le sang qui sauve. Le sang qui guérit. Et le sang là n'a pas perdu sa puissance. Je verrai le sang ce soir. Et Dieu dit. Le cancer va passer par-dessus toi. L'ulcère va passer par-dessus toi. La cécité va passer par-dessus toi. La paralysie va passer par-dessus toi. La pauvreté va passer par-dessus toi. Si vous croyez, il faut me dire Amen. Où est-ce que la parole de Dieu dit? En 1 Pierre 2, en 1 Pierre 2, 24, vous ne pouvez pas rater ceci. Vous ne pouvez pas rater votre miracle. C'est là pour vous. Il dit, c'est là pour vous. En 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que mal au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Ça veut dire que c'est déjà fait. Je dis c'est déjà fait. Et ce soir, lorsque vous aurez entendu le dernier Amen, Amen veut dire ainsi soit-il.
Le Dieu vous a guéri. Vous dites amen. Cela dit que oui, pasteur, qu'il en soit ainsi. Je dis le cancer est parti. Vous dites amen, qu'il en soit ainsi. Je dis la cécité est partie. Oui, pasteur, ainsi soit-il. Du parfait maître, sûr que vous avez été guéri. Et l'hémorroïde l'a guéri. La cécité est guérie. Le VIH est guéri. La mort prématurée est ôtée. Numéro 1, la rédaction totale. Numéro 2, la guérison parfaite. Numéro 3, le rejet absolu de Satan. Il y a certains qui ne comprennent pas que Satan n'est pas votre ami. Satan ne fait de personne son ami. Avez-vous vu l'image de Satan en Pharaon? Pharaon n'avait pas d'amis. Avez-vous vu l'image de Satan en Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar n'avait pas d'amis. Il avait un rêve, un songe. Et que magicien, venez, faites-moi interpréter le rêve. Que nous ne pouvons pas. Que je vais vous brûler, vous et vos maisons. Je vais brûler vos affaires. Je vais vous détruire, vous égorger. Même Daniel, qui l'aidait, on le cherchait. Que Nebuchadnezzar a ordonné qu'on tue le monde. Nebuchadnezzar n'avait pas d'amis. Hérode n'avait pas d'amis. Ouais, Jean-Baptiste le visitait et lui parlait. Est-ce que c'est Jean-Baptiste là? Eh, viens ici, toi là. Qu'est-ce que tu m'as dit aujourd'hui? La Bible a dit que lui, il a écouté Jean-Baptiste et puis il a reçu avec joie. Mais un jour, le que Jean-Baptiste a dit, Hérode, il n'était pas permis de pouvoir ôter la femme de ton petit frère. Et Hérode lui avait montré sa vraie couleur. Parce que ce sont des représentants de Satan qui n'avaient pas d'amis. Satan n'a pas d'amis. Il n'est pas votre ami. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Son nom est Jésus. Oh, l'ami du pécheur. L'ami de ceux qui tombent. L'ami de ceux qui rétrogradent. L'ami de ceux qui sont malades. L'ami de ceux qui sont inquiets. Jésus est votre ami. Je parle à quelqu'un là-bas ce soir. Je dis, Jésus est votre ami. Il va sauver votre âme. Il va guérir votre corps. Il va vous délivrer. Toutes les puissances de Satan vont fuir au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne comprennent pas dans notre pays ici. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que si tu ne peux pas les gagner, il faut te joindre à eux. Ceux qui disent que c'est que Satan et les démons combattent contre eux. Ils ont essayé. Et Satan dit que mais tu vois là, je vais t'éliminer. Hein. Qui, où que tu te trouves, quel que soit ce que tu fais là, tu visites les magiciens, tu visites les devins, toi là, je vais t'éliminer. Donc ils disent, puisque je ne peux pas confronter Satan, puisque je ne peux pas me battre avec lui, si tu ne peux pas les battre, donc il faut te joindre à eux. Donc ils soumettent leur vie. Et ils font alliance avec Satan, que Satan va te servir. Je serai ton serviteur. Je serai ton esclave, ton serviteur. Je vais te suivre partout. C'est ainsi qu'il s'affilie à l'occultisme, à l'idolâtrie. C'est ainsi qu'ils font partie des traditions et ils se mélangent à faire des choses. Que si vous ne pouvez pas les gagner, donc il faut vous joindre à eux. Même si vous vous joignez aux gangsters et aux criminels de Satan, ils sont vos amis.
Et ils sont vos ennemis. Il n'est pas une personne, mais Jésus. Le sang de Jésus. Le sang qui a la puissance. Le sang qui a l'autorité. Ce soir même. Quelqu'un là-bas. Je dis, cette nuit même. Ce sang de Jésus va vous délivrer complètement. Mais il faut qu'il y ait un rejet absolu de Satan. Tous les gris de Satan, vous devez jeter ces gris. Les anneaux magiques de Satan, vous devez les jeter. Tous les talismans que vous avez au rein, vous devez les jeter. Tous les charbons, les choses que vous avez au corps, vous devez les jeter. Jeter. Vous devez briser toute l'alliance que vous avez faite avec Satan. C'est un rejet absolu, authentique. S'il y a un habit de Satan, un vêtement de Satan, s'il y a un symbole de Satan, s'il y a quelque chose que vous accrochez au cou qui appartient à Satan, tout ce qui vous relie à Satan, il y a un rejet absolu, véritable de Satan. Vous le rejetez. Après tout, il ne vous fait aucun bien. Vous dites, je rejette Satan. Je viens à Christ, mon sauveur. Le salut viendra. Quelqu'un là-bas. Je dis, le salut viendra. La délivrance viendra. Et la guérison viendra. Vous voyez comment ils l'ont fait. En acte 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant porté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. Vous devez jeter ces gris-là. De retour à la maison, vous devez vider votre maison, balayer, nettoyer et ôter tous les gris-gris. De votre maison. Les livres occultes, les livres magiques, vous devez les brûler de votre maison. Les habillements, les vêtements que vous avez reçus des puissants des ténèbres, vous devez les brûler. Tout symbole, tout ce qui est de Satan, qui vous lie à l'alliance que vous avez faite avec cette puissance, vous devez les brûler. Le titre que vous avez obtenu. Le titre de chefferie qui vous oblige à adorer Satan. Si vous adorez Satan et si vous allez vivre avec lui en enfer au siècle des siècles. Si vous aimez votre vie, vous aimez votre âme. Vous ne voulez pas passer les traités en enfer. Vous dites à Satan. Satan, prends ton titre. Satan, prends ton vêtement. Satan, prends ta position. Satan, prends l'argent que tu m'as donné. Je rejette tout. Vous rejetez Satan dans son intégralité. Et vous vous soumettez complètement à Jésus-Christ. Ils ont amené les livres et brûlé tout. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. Merveilleux. Je dis, merveille de toute merveille. Quand vous rejetez Satan comme ça là. Ouais. Apocalypse 12. La victoire finale est maintenant arrivée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Votre victoire finale est arrivée. Apocalypse 12. Ouais, le verset 9. Il fut précipité le grand dragon. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ces démons seront chassés de votre vie ce soir. Mais il faut qu'il y ait un rejet absolu et véritable de Satan. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause
cause du sang de l'agneau. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le sang qui triomphe du péché. C'est le sang qui triomphe de la maladie. C'est le sang qui triomphe de Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Satan les menaçait. Vous avez fait alliance avec moi. Si vous rompez l'alliance là, tu vas mourir. Et les gens qui étaient dans cette alliance là, ils disent que méfie-toi, hein. Méfie-toi. Si tu brises l'alliance là, hein, tu vas mourir. Je vais vous déclarer ce soir. Jésus est plus puissant que Satan. Et l'alliance que vous ferez avec Satan, l'alliance que vous ferez avec Jésus ce soir est plus grande que l'alliance que vous avez faite avec Satan. Et vous menace que vous allez mourir. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je ne mourrai pas. Je dis, je ne mourrai pas. Je crois au Seigneur Jésus, je ne mourrai pas. Jésus est mon sauveur, je ne mourrai pas. Jésus est mon médecin, mon docteur, je ne mourrai pas. Jésus est mon rédempteur, je ne mourrai pas. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu, vous allez vaincre Satan avec le sang de l'agneau. Ce soir, la victoire est ici. Avec le sang, par le sang de Jésus, la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur Satan, cela vous arrivera. Où êtes-vous? Je dis, cela vous arrivera. Où êtes-vous? Je dis, cela vous arrivera. Le salut est disponible pour vous ce soir. La guérison est là pour vous ce soir. La délivrance est là pour vous ce soir. Êtes-vous prêts? Je dis, êtes-vous prêts? Faut pas vous tenir debout. Je dis, êtes-vous prêts? Faut pas vous lever. Faut pas vous lever. Êtes-vous prêts? Tête baissée, les yeux fermés. Je vous parle maintenant directement. Tu veux être libéré de tes péchés. Tu veux avoir confiance dans le sang de Jésus qui apporte le salut. Tu veux que le Dieu Tout-Puissant te sauve. Que le Dieu Tout-Puissant te dise, je verrai ça, je passerai pas dessus toi. Tu veux avoir confiance en ce sang. Partout où tu te trouves maintenant, tu dois lever ta main que Seigneur, je suis ici. Seigneur, je suis ici. Je crois au sang de Jésus-Christ qui est versé pour moi. Partout où vous vous trouvez, levez la main. Si vous levez la main, vous allez rejeter Satan. Vous allez rejeter son alliance. Rejeter l'idolâtrie. Et jeter le péché. Et venir à Jésus ce soir. Et croire à Jésus ce soir. Quand vous levez la main, vous allez vous mettre debout. Disant, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Si vous levez la main, vous devez vous mettre debout. Le salut est pour moi. À moi le salut. À moi le salut. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Vous n'allez pas mourir une mort tragique, une mort infernale. Vous n'allez pas mourir et aller en enfer. La porte du ciel sera ouverte pour vous. Parce que le sang de Jésus vous lave pour et vous purifie plus blanc que la neige. Lorsque vous tenez debout, dites-le au Seigneur maintenant là-bas. Seigneur, je confesse mes péchés. Seigneur, je suis désolé de toutes les mauvaises choses que j'ai faites. De toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Les crimes que j'ai commis. Le mal est dans ma main. Seigneur, je les délaisse tout. Je délaisse tout. Je me confie au sang de Jésus-Christ pour me pardonner. Pour changer ma vie. Pour me racheter. Ce soir, Seigneur, je crois. Seigneur, ce soir, je crois.
Seigneur, ce soir, je crois, Jésus est mon sauveur. Je soumets mon cœur à lui ce soir. Je soumets ma volonté à lui ce soir. Jésus, sauve-moi maintenant. Jésus, sauve-moi maintenant. Jésus, sauve-moi maintenant. Donne-moi la grâce de mener une nouveauté de vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis sauvé. Et que tout le monde dise Amen. Tenez-vous toujours debout. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ces hommes, femmes, hommes, garçons et filles qui sont venus à Jésus ce soir, qui ont reconnu que le sang de Jésus apporte le salut. Je prie, Seigneur, ce soir, que tu ôtes tous leurs péchés, que le jugement passe par-dessus eux, que la condamnation passe outre d'eux, que la damnation passe outre d'eux, que la mort éternelle passe par-dessus eux. Accorde-leur ton salut maintenant. Accorde-leur la joie de ton salut maintenant et la victoire dans le salut. Accorde cela à tout le monde maintenant. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Il faut le dire pour vous-même. Je suis sauvé. Moi, je suis sauvé. Je veux que vous vous rappelez. Le sang de Jésus élimine toute maladie de votre vie. Ce soir, le miracle là vous arrivera. Vous allez vous tenir debout comme nous prions. Vous voulez recevoir, vous voulez l'avoir, vous voulez que la main du Seigneur vous touche, cela vous arrivera maintenant. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. La mort passera par-dessus vous. La mort prématurée passera par-dessus vous. La maladie qui est l'avant-coureur de Satan passera par-dessus vous. Ce soir, votre guérison est ici. Lorsque nous aurons fini la prière et que nous dirons au nom de Jésus, nous avons prié et vous aurez entendu le dernier Amen, vous vous examinerez. Vous trouverez que vous avez été guéri. Les yeux ouverts, les yeux fermés seront, les yeux aveugles seront ouverts, les oreilles sourdes seront ouvertes, les jambes faibles seront fortifiées, la douleur à la hanche disparaîtra et le cancer partira. Amen. Si vous avez besoin de la guérison de ce miracle, levez la main. Cela vous arrivera. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu es le grand, celui qui est, le Dieu inchangeable, celui qui demeure le même aujourd'hui, celui qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu nous as montré tout clairement que le sang de Jésus nous accorde la guérison totale, la rédemption totale du péché, des maladies et de Satan. Seigneur, je viens en faveur de ton peuple. Maintenant, je prie, Seigneur, que tu fasses descendre ta puissance au nom de Jésus-Christ. Cette folie, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Les problèmes mentaux, quittez de là au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de ton épilepsie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cette tumeur là-bas. La tumeur dans ce sein-là. Le cancer dans ce lieu-là. Sois de là et sois guéri au nom de Jésus-Christ. Toute tumeur à une partie de votre corps, comme hernie, soyez guéri au nom de Jésus-Christ. Tout enflement là-bas, sors de là au nom de Jésus-Christ. Soyez guéri de l'ulcère au nom de Jésus-Christ.
Sois guéri de la toux au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de l'asthme au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de l'hémorroïde au nom de Jésus-Christ. Que la perte de sang se dessèche au nom de Jésus-Christ. Que l'impuissance soit guérie au nom de Jésus-Christ. Ce qui circule dans votre corps, le démon le te commande, sort de l'au nom de Jésus-Christ. La douleur de l'arthrite à vos articulations, je commande que cette douleur à une partie de votre corps sorte de l'au nom de Jésus-Christ. Vos lames, vos jambes faibles sont maintenant fortes. Vos mains faibles sont maintenant fortes. Votre dos courbé est maintenant redressé. Vous pouvez maintenant vous lever, vous redresser et marcher au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les boiteux, les paralytiques. Je commande que la paralysie disparaisse au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de la poliomyélite au nom de Jésus-Christ. La jambe plus courte que l'autre, je commande que la plus courte jambe pousse au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les aveugles. Je prie que le Seigneur touche vos yeux aveugles. Que les ténèbres disparaissent. Que la cécité disparaisse. Recevez la vision au nom de Jésus-Christ. Ces oreilles sourdes, je vous commande, ouvrez-vous au nom de Jésus-Christ. Commencez à entendre, commencez à écouter, commencez à parler, le miracle sur votre vie. Je prie pour tout le monde maintenant, tout le monde sans aucune exception, de ma gauche à ma droite, partout où vous m'écoutez maintenant, que la guérison vienne sur vous. Recevez votre miracle maintenant, recevez votre délivrance maintenant, recevez au nom de Jésus-Christ. Confirme ta guérison dans toute vie. Confirme ton miracle dans toute vie. Confirme la délivrance dans toute vie. Je te remercie Seigneur parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est fait. Je dis c'est fait. Je dis c'est fait.